bienvenue avec nous sur la chaîne du passe-temps. On va retrouver, comme d'habitude, collègue Baptiste et collègue Simon et moi-même Rachel. C'est l'air blasé quand tu dis ça. Oh, mais moi je les vois tous les jours. Vous êtes content quand une vidéo sort, moi. Bon, non, je les aime bien quand même. Ça commence très très mal cette vidéo. Ça va pas du tout. Et le thème de cette vidéo, c'est les jeux qui sont sortis au mois de décembre, là, juste avant Noël, et ce début de janvier. La prochaine vidéo portera sur les jeux après la sortie de Cannes. Ouais. Où vous trouverez, si vous y allez, vous trouverez Baptiste et Simon. Il faut bien qu'un qui tienne la boutique. Hein. Dans les allées. Voilà, on va commencer avec enfant, famille, ambiance. Ah non, ce soir, il y a une petite nouveauté. On a un défi à réaliser. Et... Ah oui, on va enfin faire le défi de Ève. J'espère qu'elle nous regarde toujours. Peut-être qu'elle n'est plus là, je ne sais pas. Un jour, une personne, une abonnée, est venue à la boutique en disant « Je vous lance un défi. Vous, dans la prochaine vidéo, c'était il y a plus d'un an. Hein, c'était un an. Vous devrez placer certains mots. Elle nous donne un mot à chacun. À Simon, à moi et un. Et on fera pas ça à chaque fois. Donc, on va le faire. Le but pour vous, c'est de trouver le mot que Eve nous a donné. Et notez-le dans les commentaires. Genre, Simon, il devait dire ça, Baptiste, il devait dire ça, Rachel devait dire ça. Okay. Et dans une phrase. Parce que si quelqu'un dit blénorragie, comme c'est au milieu de nulle part, c'est pas ça. Non, c'est bon. Voilà. On commence avec les jeux pour enfants. Allez, on commence tout de suite avec. Allez, on commence cette vidéo avec les jeux pour enfants. On joue à. Enfin, parle de. On joue de Bermuda Pirate. C'est un jeu pour enfants auquel les adultes ne s'ennuieront pas. C'est à partir de 6-7 ans. Donc, franchement, ça commence à faire les jeux passerelles où les adultes peuvent s'amuser sans subir un peu le jeu. Moi, j'y ai joué tout hier après-midi. Ouais. Et alors 4 parties d'affilée. Et du coup, tu regrettes ou... Ah non, pas du tout. Non, du tout. Mais non, sinon, on n'aurait pas parlé dans cette vidéo. Je te signale qu'on joue suffisamment de trucs pour faire des sélections. Alors, qu'est-ce que c'est Bermuda Pirate? C'est un peu un jeu d'aventure, c'est un jeu de mémoire, mais avec un côté un peu original, parce qu'on va pas vous demander de retrouver des paires, on va vous demander de mémoriser où sont les récifs qui sont sous le plateau. Parce que quand vous allez... À votre tour, en fait, vous allez déplacer votre bateau en poussant à l'arrière, comme ça, pour essayer d'aller vers les îles, chacun son tour. Voilà, Rachel, et d'un coup, si vous rencontrez un récif, ah blam. Bon, voilà, ici, là, par exemple, si vous rencontrez un récif, boum. Rachel, elle y arrive. Rachel arrive, sans tomber sur un récif, elle va ramasser le diamant rouge, et maintenant, on va faire demi-tour. Voilà. Bam. Elle a pris un récif, le diamant est éjecté, elle a... perdu sa cargaison. Il y a un peu ce côté, un peu, cette tension un peu épique quand on avance, quand on est à vide, ça rame, mais quand on rentre et qu'on a un trésor... Et qu'on va rentrer et qu'on on dit ah là il y en a pas là, ah et là il y en a un et là c'est perdu. C'est pas tout de le récupérer, il faut rentrer au port avec. Le trésor en fait, quand vous récupérez un récif, il se barre, enfin il est éjecté du bateau. Du coup, un autre joueur peut complètement profiter de la situation pour aller le récupérer et vous piquer le fruit de votre travail. Voilà, tout simplement. Ils nous volent notre travail. On est des pirates. Hein. Et voilà. Alors il faut dire que quand même c'est malin. Parce que le côté aimanté, on pourrait se dire, mais du coup, c'est aimanté tout le temps pareil. Non, en fait, sur le plateau, c'est un système, si c'est un peu mal fiché. Alors là, pour vous le montrer, c'est un peu la galère. Ouais, mais en fait, dessous, il y a un système de plaques aimantées. Ouais, bon, et voilà. On crée un système différent à chaque fois, un peu comme dans le labyrinthe magique pour ceux qui connaissent. Du coup, c'est assez drôle. C'est assez drôle, il y a vraiment ce côté, est-ce qu'on va y arriver, ce côté mémoire. On a des petites bouées qui nous permettent soit d'indiquer un danger. Par exemple, là, je sais qu'il y a un récif, il faut pas que j'y aille. Ou alors, soit de le mettre à un autre endroit pour embêter les autres aussi. Ça, c'est la version Rachel. C'est la version Rachel. C'est tout à fait possible. Non, c'est super malin. Ouais. Souvent, des jeux pour enfants, ça marche très bien quand il y a un petit côté jouet, quand il y a un petit côté manipulation. Quoi. Et je trouve que ça, c'est réussi. Mmh. C'est tout à fait immersif. J'aime beaucoup le labyrinthe magique, par exemple. C'est un jeu que je présente régulièrement quand on cherche un jeu pour enfants de 6 ans, auquel les adultes peuvent pas s'ennuyer. Ben maintenant, je peux montrer Bermuda Pirate parce que ça rentre complètement dans cette case. Voilà. Oui, moi j'insiste, ouais, pour les adultes, j'ai fait jouer au Buena et quand le bateau est catapulté, parce que c'est un peu ça qui se passe, les gens, ah, le cri de surprise et on y a rejoué. Voilà. C'est très drôle. Du coup, Bermuda Pirate, à partir de 6 ans et largement pour plus tard. We'll be right back.
deuxième jeu de la soirée. On passe au jeu d'ambiance, on passe à Cosmopolite en français ou... Ça dit Cosmopolite dans toutes les langues. Oui, je pense. Enfin, peut-être pas en bantou, je sais pas quoi, mais oui, oui. C'est un jeu d'ambiance coopératif asymétrique. Le principe, en fait, c'est qu'il y a un joueur qui va avoir un casque sur les oreilles, qui va, c'est la serveuse, qui va entendre ce que leur disent les différents clients, et il va devoir le transmettre au maître d'hôtel, qui est ici. Kuya Bantara, Kuya Bantara. C'est ça. Qui va le transmettre, fait, qui va le transcrire sur sa feuille. Bonobo, Bonobo. Un peu comme il entend, et ensuite le devoir le redonner aux autres joueurs pour que parmi les différentes cartes qu'ils ont en main dans le pays, hein, l'Océanie, l'Afrique, l'Europe. Ah, je crois que je l'ai dit. Non, c'est mon frère. C'est dans les légumes. Voilà, c'est quoi ? Eh, c'est un oignon, c'est une carotte. Ah, non, c'est justement. Et je vais les livrer sur la table qui va bien. De toute façon, on a fait une vidéo dans laquelle on y joue. C'est ça. On est dans les soirées jeux du passant. C'est un peu ce qui est vraiment chouette dans ce jeu, déjà, c'est parce que c'est un peu une tour de Babel ludique, c'est-à-dire que vous allez avoir vraiment des vraies langues qui existent vraiment, des gens de ce pays qui parlent dans le casque. Donc c'est un côté un peu plus touchant que si c'était juste n'importe quoi, enfin des mots. Mais oui, on vous commande en breton ou en alsacien, c'est cool. C'est des linguistes qui ont fait ça. C'est des auteurs, bien sûr, mais ils ont travaillé avec beaucoup de des linguistes. Et ces linguistes ont fait aussi ce petit livre, voilà, qui est une sorte de livret pédagogique sur l'histoire des langues, leurs proportions, le danger de leur disparition, et la façon de prononcer, le nombre de personnes qui parlent telle ou telle langue. Il y a des langues qui sont parlées par 7 personnes dans le monde dans ce jeu. Voilà. Donc, bon, on peut le dire. Voilà. C'est fabuleux, c'est hyper méga bien, c'est très drôle. Tous les niveaux, c'est réussi. Allez voir la vidéo qu'on a fait, ça vous donnera une bonne idée de ce que c'est. C'est furieusement drôle. Ouais. Moi, ça me fait marrer. Voilà. Et il y a l'application n'est pas trop présente, et surtout, en fait, il y a un système de difficulté croissante. C'est-à-dire qu'au début, les premiers niveaux, vous avez pas beaucoup de points à faire, pas beaucoup de tables à servir, et vous avez pas mal de temps. Et puis plus vous avancez, plus vous avez de tables, vous avez des terrasses, vous avez... 18 tables, 3 terrasses, 5 minutes, toutes les langues du monde. Et des recettes supplémentaires, des cartes supplémentaires, donc il y a vraiment un niveau de difficulté croissant. Oui, quand vous ouvrez le jeu, il y a des paquets de cartes qui sont scellés, que vous pouvez ouvrir qu'après coup. Et moi je trouve que ça, c'est hyper, hyper méga bien. On se rend pas toujours compte quand on joue un jeu, du temps que ça peut prendre à développer, à créer, à faire tester des parties, tout ça. Et bon, ça c'est super intelligent, super bien, il y a un petit côté pédagogique, même si on achète le jeu parce qu'il est avant tout drôle, bah en plus c'est pas con. Et ça rend hommage, voilà, à tout le boulot de développement qu'il peut y avoir derrière, c'est à tout point fabuleux et réussi. Il y a les nominations de l'As d'Or, j'espère que ça sera dedans, parce que vraiment c'est... Réussite absolue. Et moi, je tenais juste à rajouter, ça marche avec les enfants. J'avais fait tester à ma fille de 10 ans en me disant, est-ce qu'elle va être à l'aise avec tous les rôles et tout ça. Et je lui ai fait essayer tous les uns après les autres. Et autant retranscrire, les enfants, ils n'ont pas de blocage avec la langue, le rôle de la serveuse. Et même le rôle du maître d'hôtel, écrire en translittéré comme ça, tout passe à crème. Donc vous pouvez même jouer avec vos enfants et vous en rigolerez tout autant. En tout point de vue, fabuleux. Ouais. On entame la série des jeux familiaux avec le petit jeu Village-Pillage. Rachel refuse de chanter Voyage-Voyage. Village-Pillage, plus loin que la vie et le jour. La nuit et le jour. Le village et le jour. Donc voilà, ça c'est mon coup de cœur de la sélection de ce soir. Ah oui, alors on discutait, c'était « Non, Village-Pillage, il faut qu'on en parle !» On ne levait pas. Tout d'abord, avant de vous parler du jeu et de sa mécanique, on va parler de la qualité de l'édition. C'est une toute petite boîte qui contient tout plein de paquets de cartes, qui est magnifique. On verra plus tard dans la sélection une boîte avec 4 couleurs qui est hideuse. Là, vous avez une belle construction graphique. L'illustratrice, elle a travaillé chez Disney, et quand vous verrez le design des cartes, vous pouvez jeter un coup d'œil, vous verrez, ça se voit. Cet univers de villageois, il est assez extraordinaire. C'est un jeu dans lequel on va s'affronter, on va essayer d'être le premier à récolter des reliques qu'on va acheter avec des topinambours, des navets. On est des petits fermiers, et voilà, on va acheter des reliques, on va acheter un sceptre radis, une couronne et un siège. Et comment ?
On a un paquet de cartes dans notre main, on a tous le même, un vert, un bleu, un rouge et un jaune. Et on va en choisir deux simultanément. Un que je vais jouer contre mon voisin de gauche, un que je vais jouer contre mon voisin de droite. Tout le monde a choisi. On va révéler. Et on va faire l'effet des cartes. Alors déjà, on va les appliquer dans l'ordre. Vous avez votre petit... Votre banque de jeux en bas. Et vous dire, on va d'abord résoudre les verts. Les verts, c'est les fermiers, ils vont gagner de l'argent. Des navets. N'importe lequel des couleurs. Ah oui, il faudrait comme ça maintenant toute la partie. Je vais gagner tout un navet. il va y avoir le pillage. Le pillage, on va me voler 4 navets. Ça ne marchera évidemment pas contre notre pillard et ça ne marchera pas contre les remparts. Alors vous imaginez, moi je suis le pauvre fermier et Simon le sale pillard, je récupère 3 navets et lui il me vole 4 navets. Qu'est-ce qui va se passer à la prochaine manche? Je jouerai le rempart contre toi et ton attaque de pillard ne fonctionnera pas. Voilà, il aura joué sa carte pillard qui ne sert à rien. En fait, il faut deviner à chaque fois ce que va jouer le voisin à côté pour contrecarrer ses plans. Exactement. Et il y a le marchand. Le marchand, il va vous servir à acheter des reliques. Mais si vous n'avez pas suffisamment d'argent pour acheter des reliques, il y a un marché de cartes. Avec tout ça de cartes uniques, avec toujours des cartes de couleurs, avec des effets différents un petit peu. Il y a ce côté un peu deck building, où vous allez construire un premier paquet de cartes. C'est-à-dire, est-ce que je mise plus sur les rouges pour essayer de pourrir tout le monde? Au contraire sur la défense, au contraire plein d'argent ou un mix de tout. Même plein d'argent, ouais. C'est se faire voler souvent. Je vais miser sur les rouges. Et c'est un peu une guerre psychologique, parce qu'au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui sort du lot, il y a quelqu'un qui commence à gagner, qui se fait sempiternellement attaquer. Ça manigance, même le joueur en face, celui avec qui vous n'avez pas de confrontation directe, il commence à réfléchir et à conseiller. Bon, si j'étais toi, elle lutte toujours, elle joue toujours son rempart à gauche, donc toi arrête. Tu vas jouer, tu vas jouer dans le rempart, tu vas en profiter pour gagner de l'argent, attaque à gauche. Je t'assure, attaque à gauche. Achète cette carte au marché là. Oui, non, mais attends. Mais c'est une course. Il faut que Rachel. T'as vu, si t'attaques, il a gagné. Alors, mets ta carte pour défendre, du coup, moi je t'attaque pas, comme ça, vu que t'en as qu'une. Ça discute énormément dans le village pillage. Et parfois, il y a des égalités. Et on départagera les égalités avec. Le pied de poule. Avec un pied ou face de poule. Oui. On continue avec Salade 2.1, un petit jeu qui vient d'arriver. Quand c'est arrivé, on a fait... Enfin, moi, je n'avais pas entendu parler, qu'est-ce que c'est? C'est super bien. Alors, le thème, c'est des légumes, mais ça aurait très bien pu être des topinambours, ça aurait pu être des téléviseurs, des pantoufles, des écrous, des trésors, ça aurait pu être n'importe quoi. Bon, c'est des légumes. Voilà. Pourquoi? C'est comme Wingspan et les oiseaux, tu dis, tu rentres pas dans un magasin en disant « Oh, je voudrais un jeu sur les oiseaux !» Et c'est des oiseaux. Ouais, et là, voilà. Tu veux pas un jeu sur les légumes. C'est des légumes. Si t'es un pot de végétarien, à la limite, ça peut être cool, mais voilà. Le principe de Salade 2.1, c'est des règles extrêmement simples, c'est des règles simplissimes. À votre tour, en fait, vous allez prendre des cartes. Vous allez prendre soit deux cartes, deux légumes, soit un objectif. Donc à chaque fois, on remplace. Soit un objectif qui va dire, par exemple, pour celui-là, je marque un point par chou et un point par salade. Je te laisse pas prendre les salades. Donc, et voilà, et c'est tout. À chaque tour, on pioche soit deux légumes, soit un objectif. Moi, ce qui m'a fait marrer la première fois que j'ai lu la règle, ils ont été obligés de l'écrire en plus gros. Et tu sais, d'habitude, ils l'écrivent en Arial 9. Et là, c'est en Arial 12. Il y a du gras, il y a des dessins partout. La règle est tellement courte qu'ils sont obligés de remplir le papier. Il ne peut pas y avoir du gras, c'est des légumes. Eh, hey, pas mal. Bref, c'est un jeu rapide, malin et super efficace. Je sais pas quoi dire de plus, je pense qu'il faut y jouer. Pareil, on y a joué dans la soirée jeu du passe-temps qui est déjà en ligne. Épisode 3. Donc si vous voulez avoir un avis sur comment ça se passe. Et moi j'ai joué à 2, c'était très très cool. Ouais. Et t'as envie, c'est super rapide, c'est 10 minutes une partie, t'en fais pas qu'une de salade de pointe. T'as joué à 2, j'ai joué à 3, on y a joué à 5 dans les soirées jeu du passe-temps. Ah bah moi j'ai joué à 4. Voilà, ça marche dans toutes les configurations. Oui. Bon voilà, ça reste rapide, une partie c'est moins de 15 minutes. C'est dynamique, c'est fluide, on comprend tout de suite les règles. Les parties se ressemblent pas parce que les cartes, alors ce qu'il faut dire, c'est que toutes les cartes points sont toutes différentes. Il n'y a pas deux cartes identiques, il y a plus de 100 façons de marquer des points. Ouais, quand on joue à deux, on joue avec beaucoup moins de cartes, donc on voit pas tomber toutes les cartes du jeu. On fait souvent des revanches pour appréhender un peu mieux lesquelles sont en jeu, ne sont pas. C'est ça. Mais c'est du vrai jeu de gestion, mine de rien. Voilà, avec un petit côté
contre-draft dans le sens où dire attends, lui il faut pas qu'il ait. Prends les carottes, faut pas lui laisser les carottes. Ouais, c'est-à-dire que Rachel prend la carte qui dit chaque tomate vaut 2 points, qu'est-ce que je fais immédiatement derrière? Et hop là, je prends les tomates, comme ça tu les auras pas. Voilà. Mais c'est top, c'est super canon. C'est, non mais voilà. C'est tiré de tous ces jeux allemands qu'on appelle des serrettes de points, les jeux de Stefan Feld, des Rosenberg, où tu marques 3 points par buff, ceci, cela. C'est un condensé de ça, un tout petit jeu de cartes. Et souvent, voilà. On vous le dit, il faut virer des trucs pour faire des bons jeux. Si vous créez des jeux, rajoutez pas des règles, enlevez-en. Mais là, il y a ouf, tout enlevé et hop, comme c'est comme dans Little Town, tout ça, ça te fait des trucs où ça cartonne. La maman des poissons, elle, elle est tout rond. On ne la voit jamais froncer les sourcils. C'est petit, l'aime bien, elle est bien gentille. Et moi, je l'aime bien avec du citron. Bon, on sera témoin que ceux qui essayent de monter le niveau dans l'équipe, c'est moi. J'essaye pas de descendre dans les abysses. Non, dans les abysses. Bon, il y a des noms de jeux dans le monde du jeu. Quand on les dit, ben, ça s'est très vite installé comme des classiques. Seven Wonders, classique. Aventure du Rail, classique. Abyss, classique. Du coup, il y a Abyss Conspiracy qui sort quelques temps après. Parmi vous, il y en a peut-être qui n'ont jamais joué à Abyss. C'est dommage, moi je trouve ça super cool, Abyss. Abyss Conspiracy, ça reprend Abyss, mais ça vire un peu tout. Hop, on parlait un peu d'épuration déjà avant avec Salade de Points. Et pour arriver à un jeu de cartes qui se joue en 15-20 minutes, tout en reprenant des idées d'Abyss. C'est pas juste une version miniature avec du matos en moins. L'idée d'Abyss Conspiracy, c'est qu'on va tous chercher à faire un truc de cet ordre-là. On va tous chercher à créer une pyramide avec des cartes devant nous. C'est des petites cartes carrées, comme ça, qui sont dans une pioche. Et chaque fois qu'on va jouer, c'est simple. Soit je prends un bonhomme, soit j'en prends deux, soit j'en pioche trois. Et bien, si j'en pioche beaucoup, je peux en garder qu'un. Les autres, je les mets dans la défausse sur le bord du jeu. Mes adversaires vont pouvoir les prendre à leur tour. Alors là, si je me laisse du choix, ça veut dire que j'en laisse aux autres. Et je n'ai pas envie de leur laisser du choix. Surtout après la maman des poissons. L'idée, c'est que les gens qu'on va récupérer, on va les mettre chacun dans sa pyramide devant soi. Il y a quatre trucs qui font des points dans Abyss, Conspiracy. Il y a quatre choses qui vont vous dire j'ai plus intérêt à prendre tel ou tel bonhomme. Déjà, le plus gros bonhomme de chaque famille va vous rapporter des points. Donc vous essayez d'avoir le plus gros bonhomme violet qui fait 6 points, le plus gros bonhomme rouge, le plus gros seigneur jaune, le plus gros seigneur bleu. Toc, toc, toc. Vous essayez de mettre les bonhommes de même couleur à côté. Parce que la région la plus grande vous rapportera plein de points à la fin du jeu. 3 points par seigneur. Vous essayez de garder des seigneurs en plus qui ont des perles sur eux. Parce que si c'est dans votre pyramide qu'il y a le plus de perles à la fin du jeu, vous aurez des points. Et puis, parfois sur les seigneurs sont dessinées des clés. À partir du moment où vous avez deux clés identiques, hop, 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 vous allez pouvoir piocher pareil un lieu, ou deux lieux, ou trois lieux. Et chaque lieu va vous donner une façon de marquer des points un peu différente. On voit très vite en fait que tout est bien, vous voulez du jaune, du bleu, du violet, des fois vous tirez d'une carte, vous êtes obligé de faire avec, vous allez galérer à faire tout ça. Tu ne voudrais pas tout faire hein, par hasard? Si, je veux tout faire, je veux tout avoir, et c'est pas possible. Et quand bien même, une partie c'est 15 minutes. Du coup, ben, on fait une revanche, d'autant plus que ça joue très très bien à 2, voire même le côté super dynamique, c'est encore plus vrai à 2 qu'à 4. Je trouve ça top à 2 quoi. Bon. Vous l'avez remarqué? Qu'est-ce que tu as remarqué, Baptiste? Qu'est-ce que j'ai remarqué? Que c'est la même patte graphique, c'est ça? Exactement. Oui, ah. c'est ce qui fait que Abyss a cartonné aussi, je pense. C'est clairement son graphisme, son illustration qui a propulsé le jeu. Le jeu est très bon, donc une illustration ne fait pas tout. Mais clairement, je pense que l'illustration d'Abyss, c'est ce qui fait que le jeu a autant cartonné. À tel point qu'ils ont fait une couverture totalement vierge de texte. Ils ont mis juste l'illustration. Hey, on a la boîte limitée derrière. Ils ont reproduit la même chose sur ces boîtes-là. Alors, boîte métal cabossée, etc. Non, cabossée. Embossée. Elles sont bosselées. Elles sont cabossées. Des boîtes défoncées. Embossées, cabossées, ça va. Non, mais il en manque une. Il y a la violette. Il y a la violette. Elles sont collector et il y en a déjà qui sont déjà épuisées, qu'on a déjà pu. Voilà. Mais il y en a 5 en tout. Moi, j'aurais adoré voir le même jeu fait par des Allemands. Tu sais, avec des graphismes germaniques à la place. Ça aurait moins marché. Il y aurait des numéros. Un rouge.
Moi, je verrais bien des hexagones dessus. C'est le même jeu par Stefan Feld. Ça serait top. Non, voilà, c'est super bien. Ça rejoint super bien dans la même collection les bâtisseurs antiquités, Noé, tous ces petits jeux super rapides, super malins. C'est voilà, c'est une franche réussite, comme bien souvent avec Bruno Catala et Charles Chevalier. On enchaîne avec Adara. C'est la fameuse boîte de jeu dont je vous parlais, pas très esthétique, où justement il est en train de rechercher le thème dans la boîte de jeu. Il n'y a pas une ligne sur le thème. Mais pourtant, c'est un très bon jeu de civilisation. Yep. Même si on ne vous vend pas le thème, il est là. C'est un jeu de développement à base de jeux construits des citoyens sur trois âges avec une montée en puissance évidente. Tu construis des citoyens, toi? Ouais. Alors, tu construis une civilisation. Passe-moi du plat, je vais faire un boulanger. Dans Wingspan, tu construis pas les oiseaux, toi ? D'accord, ok, je vois l'idée. Je vois la conception de la chose. Si, mais je construis un rossignol. Tu fais pas ça, toi ? Non, pas du tout. Je fais l'action de construire un oiseau. Oui, bah oui. Je vous montre la petite boîte de jeu dans laquelle vous allez pouvoir ranger les cartes de couleurs par âge. Petit côté téléachat, quand même. Et regardez, elle roule agréablement bien. T'as d'ailleurs, petit aparté, ce petit plateau un peu modulaire, on retrouve le côté couronne des Maras, parce que c'est un jeu de Benjamin Schwer. Ah, c'est le même auteur. Ok, d'accord. Voilà, voilà. Ah, c'est le moment où j'étale ma science. Dans ce jeu de civilisation, c'est un jeu de draft. Mais c'est pas un draft classique, c'est pas un draft à la Seven Wonders où j'ai des cartes, je passe le reste à Simon, qui va en choisir une, qui va passer le reste à Baptiste, etc., etc. Les cartes sont sur le plateau. Il va y avoir un premier joueur qui va dire, bon, bah, très bien, toi, t'es la civilisation dragon. Tu vas piocher dans la pile verte. Ok, je pioche dans la pile verte. Je suis la civilisation du singe. Tu en pioches deux là. On regarde ces deux cartes, on en défausse une face visible, on paye pour l'autre et on vient poser la sur le plateau. Elle a un coût, cette carte, avec une réduction si vous avez déjà construit des cartes dans cette couleur. Et vous voyez les deux petits curseurs qui sont en haut. Vous allez les grimper dans les couleurs adéquates. Là, je grimpe de un jaune et je grimpe ensuite de deux verts. C'est bien, tout le monde a fait ça, parce qu'on peut jouer cette phase en simultané. On tourne la roue. On tourne la roue, je vais faire la même chose sur la pile, bleue, puis sur la pile rouge, puis etc., etc. Ouais, et ça, on le fait tous en même temps, il n'y a pas de temps mort dans cette phase-là. Il n'y a pas de temps mort. Et ensuite, les piles vont être vides. On va refaire la même chose avec les cartes qui ont été défaussées face visible. Et c'est là que ça devient très malin. Bon, ça se fait deux fois, mais je le dis qu'une fois. Ouais. J'économise ma salive. On va venir récupérer les cartes qui sont face visible. Et c'est là qu'on va se spécialiser. Ah, la carte verte que j'aurais tant aimé prendre, elle est à 4 en hauteur, donc je temporise avec du bleu, etc. Ouais, parce qu'autant la première manche, le jeu nous oblige à prendre une carte de chaque couleur, autant la deuxième, vu qu'on va là où on veut, on se dit, allez, je prends les rouges, les bleus, on fait vraiment plus de choix lors de la deuxième manche. Voilà, et quand on arrive à la fin de l'âge, on va regarder ces fameuses pistes. On retrouve les thématiques couleurs classiques. Le jaune, c'est l'or que je vais gagner pour gagner de l'argent pour me payer des nouvelles cartes au prochain âge. Ah, il n'y a pas d'or, il n'y a pas de cartes. Il y a la piste militaire. C'est un prérequis pour prendre le contrôle de colonies avec lesquelles on va pouvoir devenir alliés ou les désinguer. Je n'ai pas l'autre terme qui me vient, mais voilà, vous avez compris l'idée. Vous ne pourrez pas tout faire. Il n'y a que trois âges et il y a cinq colonies. Donc, vous allez essayer d'aller le plus loin. Autant vous dire que vous ne pourrez pas aller à 30 en militaire et à 30 en culture, parce qu'il y a le même côté sur la culture, sur votre petit plateau creusé, où vous allez pouvoir compléter votre plateau creusé. Sculpter des bustes. Sculpter des bustes. Ou réfléchir à carrément marquer des points de victoire supplémentaires à la fin de la partie. Et enfin, il y a la piste verte, c'est la piste de nourriture. C'est tout simple le principe. Vous êtes grimpé en 8 en nourriture, vous avez 12 cartes. Les cartes, ce sont des citoyens. Si vous avez moins de nourriture que de citoyens, il va, voilà, vos citoyens meurent de famine. Il va falloir les défausser. Comme à Galerapagos. Comme à Galerapagos. Sauf que c'est les joueurs qu'on défausse à Galerapagos. Là, c'est des citoyens. Et si vous devez défausser les cartes, vous perdez les avantages qui sont associés. Il va falloir faire des choix. Vous ne pourrez pas tout faire. Mais c'est assez linéaire, mais pas dans le sens péjoratif du terme. C'est on va vouloir se spécialiser tout en gardant l'œil sur tout. Tu veux de la thune pour acheter toutes les cartes. Oui. Mais si tu prends que de la thune, t'as pas de quoi te nourrir. Si tu prends que de nourrir, ben t'as pas de quoi attaquer les colonies ou construire des bustes. Tu veux tout, t'auras pas tout. Ouais. Et en plus, les autres joueurs vont, une fois sur deux,
On dit, ah, tu voudrais celle-là, mais tiens, je la prends, donc tu peux la prendre, quoi. Et puis, je la défausse pour de l'argent. Ouais, évidemment, évidemment. Pardon, ouais, ça reste familial, quand même, ça reste un truc... Beaucoup... Niveau Seven Wonders. Ah, mais c'est plus simple que Seven Wonders. Mais en fait, tu regardes juste la carte, il y a écrit 2 jaunes, t'avances 2 sur les jaunes. Oui. Paf okay. Une fois que t'as dit ça, t'as 80% du jeu, quoi. Oui, mais les choix, les choses comme ça, ça va pas... Non, non. Mais ce que je dis souvent au magasin, c'est qu'il serait, sans les comparer, hein, parce qu'après ils matchent dans la même catégorie, c'est qu'il serait arrivé avant Seven Wonders. Seven Wonders, les gens accrochent grave au thème, on parlait d'Abyss tout à l'heure. Seven Wonders, c'est la même chose. Mais pour des premiers joueurs, les premières parties sont pas très lisibles. Qu'est-ce que je fais? Comment ça marque des points? Rappelez-vous, la première partie de Seven Wonders, le coût des ressources qu'en fait on a mais on dépense pas, il y a un truc pas intuitif. Ouais. C'est sans doute beaucoup plus intuitif à Dara, et c'est sans doute aussi mieux. À moins de joueurs. C'est-à-dire que Seven Wonders, c'est rigolo quand vous êtes 4, 5, 6. À Dara, à 2 ou 3, c'est déjà top. On sait exactement ce que veut l'autre, qu'est-ce qu'on va essayer de l'empêcher de récupérer dans ce qui est apparu sur la table. Il y a plus de contrôle, je trouve, sur ce qu'on fait. Et en fait, ce qu'on disait au début, c'est que c'est un draft à travers un plateau. Et du coup, pour le coup, ça marche à 2 joueurs. Là où d'habitude, le draft, ça ne fonctionne pas à 2, là, on se retrouve avec quelque chose qui marche. Quoi. Les illustrations sont pas dégueu, même si le jeu reste un peu abstrait, quand on touche un peu ces jeux de civilisation. Juste en tournée, on dit, mais pourquoi ça s'appelle Adara? Eh bien, on ne sait pas. Mais ça s'appelle Adara, et en tout cas, ça nous a beaucoup, beaucoup plu. Beaucoup plu, ouais. Vraiment. Eh bien, je suis bien content, mais ravi de vous parler de Nidavellir. Tu sais pas lire. Il y a écrit Nidavellir. 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 On dirait un truc, ça va pas du tout. Non, ça se dit Nidavellir. C'est pas un débat, on s'en fout. C'est un jeu de Serge Lager. Alors moi, je sais pas pourquoi, mais il se trouve que les premiers jeux que j'ai achetés, c'était quasiment tous des jeux de Serge Lager. Les Chevaliers de la Table Ronde. Lager. Serge Lager. Bon, bref, on s'en fout, mais c'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup. Mare Nostrum, trop cool. Senji, trop cool. C'est quelqu'un qui sait faire des jeux dans lesquels, un peu comme Bruno Faiduti, des jeux dans lesquels ça se dispute un peu entre les joueurs. Du coup, quelle joie, quelle surprise. Il sort pas des jeux tous les 4 matins, Serge Lager. Nidavellir, chez Gre Games. Ok. On y joue. Enthousiasme total et immédiat. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu dans lequel vous devez recruter des nains dans des tavernes avec un système astucieux de composition de pièces. C'est une sorte de deck building de pièces, qu'il appelle du coin building. Bien. Comment ça va marcher, cette histoire? Il y a 3 tavernes sur la table dans lesquelles on a rempli de petits nains. Très bien. On veut choper ces nains. Quoi? Des petits nains. Des petits nains. Hein? On veut essayer de les choper. Du coup, ça tombe bien. On a un plateau chacun devant nous dans lequel on a les fameuses 3 tavernes. On va mettre des pièces une pièce à l'intérieur de chaque taverne. C'est-à-dire qu'on va choisir, on va dire « je mets cette pièce-là dans celui-là, celle-là dans celui-là, celle-là dans celui-là. » Les 2 autres, je les laisse dans ma bourse. Ce qui va se passer, c'est qu'on va tous en même temps révéler la pièce de notre première taverne. Moi, j'y suis allé, j'ai mis le 5 en premier. Moi, j'ai mis le 4. Bon. Moi, j'ai mis le 5 aussi. T'as mis le 5. On a normalement un diamant qu'on n'a pas sorti. C'est la personne qui a le plus gros diamant qui va se servir en premier. On va comme ça, les uns après les autres, dans l'ordre des pièces, collecter des nains qu'on va venir mettre sur notre petit plateau à côté de là. Et on va faire comme ça pour chacune des 3 tavernes. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a une pièce qui fait 0. Je sais pas où je l'ai mis, je l'ai mis en bas. À partir du moment où je la joue, ben, je vais me servir en dernier. Je l'ai mis un 0. C'est pas cool. Par contre, je vais pouvoir aller désormais révéler les pièces que j'ai laissées dans ma bourse. J'ai laissé un 3 et un 2. Si vous avez un bon CP et un bon CE1, ça fait 5. Je vais pouvoir aller choper du coup la pièce numéro 5 qui va venir rejoindre mon deck de pièces. Et au fur et à mesure, chaque fois qu'on joue au 0, on va pouvoir comme ça upgrader son deck de pièces. Ce qui fait qu'on va maintenant pouvoir sans doute réussir à jouer à chaque fois avant tout le monde. Parce que votre but, c'est de choper les nains que vous voulez. Et les choper évidemment donc avant les autres et de ne pas laisser ce qu'ils veulent les 2 zigotos à côté. Ils ont tous des façons très particulières de nous rapporter des points. Il y a 2 manches. Et en marquant des points à la fin de la dernière manche. L'idée, c'est que par exemple, si on prend les bleus, c'est tout couillon, on les met ici, et le premier apporte 3 points, le deuxième 4 points, le troisième 5 points, l'autre 6 points. Et plus on en a, plus on a de points. Les nains verts vont rapporter des points au carré. Seven Wonders. J'en ai 3, boum, c'est 9 points. J'en ai 5, boum, c'est 25. J'en ai 13. Oh, il est nul en maths, 149. 169. Bravo, Rachel.
C'est écrit dessus. C'est écrit dessus. Et évidemment. Ah, mais je sais, non. Les rouges vont rapporter des points pour les pièces, les bleus ils rapportent des points de base, et les oranges ils se multiplient entre eux. En fait, ils vont tous un fonctionnement différent, et si on arrive à en avoir 5 de différents, un de chaque couleur, on va pouvoir les taper dans les héros ou les héroïnes qui sont sur le bord du jeu, c'est ceux qu'on voit sur les petits paravents. Et il y a des trucs méga cool. Héroïne. Genre, héroïne. Oh, on se marre bien. Genre lui, bam, par exemple, vous voyez, il me remplit 3 crans d'un coup. Et on veut les choper. Donc on veut se diversifier. Mais on n'a pas envie de se diversifier vu qu'on veut tous les bleus ou tous les verts. Il faut faire des choix. Et c'est justement tout le sel de Hadara. On veut tout. Hadara, j'ai dit Hadara ? Yeah, je dis des trucs qui vont pas. Ce ne sera pas la première ni la dernière. C'est tout le truc de Nisa Vetlir. Vous voulez tous les oranges, vous voulez tous les bleus, vous voulez tous les verts, vous les aurez pas. Les autres vont pas vous les laisser. Parce qu'à partir du moment où il vous manque un bonhomme orange pour avoir un cinquième, hop là, je le prends, tu l'auras pas. Et c'est franchement pas sympa comme ambiance. C'est top, graphiquement, je trouve que ça tabasse. Ouais. Je crois que c'est la première fois que je vois un jeu en noir et blanc. Enfin, où toutes les illustrations sont en noir et blanc, à part quelques petits détails. Mmh. Tous les nains sont différents, ou presque, tous les héros. Il y a beaucoup de travail d'illustration. Ouais, comme chez Grogame, c'est les gens qui ont fait Dany. Oui. Qui ont donc c'est voilà, ça sort pas de. C'est un parti pris. Ouais, c'est un parti pris. Mais moi j'aime beaucoup. C'est clivant. Ouais. Mais c'est top. J'ai toujours envie de. J'en ai fait 3 parties pour l'instant. Et j'ai toujours envie d'en faire une autre. Et de me dire, attends, j'ai tenté les bleus, mais les oranges, est-ce que c'est viable? Est-ce que si je prends tous les petits bleus qui passent, est-ce que ça marche aussi? Est-ce que je pourrais arriver à choper la pièce qui fait 25? J'ai déjà réussi. Ah ouais? Oui, j'ai déjà réussi. Mais en plus. Tu me l'as pas dit? Mais j'avais déjà réussi. C'est les boules sur la partie. J'avais oublié à la fin de la partie. Vous comptez aussi la plus grosse pièce. J'avais oublié de le faire. Mais tu le comptes 2 fois si c'était la personne qui a le plus de bonhomme rouge. Il se passe plein de choses. Bon. Pour autant, ça reste très simple à jouer. Et c'est rempli de je te le prends, je te le laisse pas, de petites interactions de partout. Il y a un côté Hadara. Il y a un côté Seven Wonders. Qu'est-ce qu'on prend? Et du coup, on va faire un petit comparatif entre les deux assez rapide. On vous a présenté 2 jeux, on vous a présenté Hadara, on vous a présenté Nisa Vetlir. C'est 2 jeux qui boxent complètement dans la même catégorie, qui s'adressent aux mêmes personnes, qui sont le même style de jeu. Mmh. Si vous aimez l'un, vous aurez aimé sûrement l'autre. Mais il y a quand même des différences, on va voir ensemble bah, du coup, les ressemblances, les différences. Donc Rachel va défendre Hadara et Simon va défendre Nisa Vetlir, même si les deux aiment l'un et l'autre. Ouais, qui commence dur. Simon ah ben, les similarités, c'est que ce sont des jeux dans lesquels vous développez en choisissant des cartes. D'une façon différente dans l'un ou dans l'autre. Lui avec des pièces, lui avec un petit système de roues. Mais en fait, on vous demande de faire des choix. Vous avez plusieurs cartes possibles, lesquelles vous voulez prendre et lesquelles vous voulez laisser aux autres. Ce qui est le cœur du draft, d'ailleurs. C'est l'idée même de la chose. Ça, c'est une des premières similitudes. Ça se joue 2 à 5. Oui. Dans un cas comme dans l'autre. Par contre, Nisa Vetlir, c'est un peu un jeu d'enchères. Donc, vous ratez le cœur du jeu si vous jouez principalement à 2. Là où ce draft réinventé, maintenant qu'on a introduit ce que c'était le draft, marche dans Hadara, où on se laisse des cartes à travers un plateau qui fait office de 3 joueurs. Allez, je te concède un point. Hadara, c'est sans doute meilleur à 2 joueurs. Je pense. Oui. Mais du coup, à l'inverse, c'est plus sympa, Nisa Vetlir. Hadara à 5, j'ai un doute, quoi. Sur la deuxième phase, là, c'est en simultané. Je suis plus convaincu sur le côté de jouer à 5 de Vetlir. Après, il y a aussi une différence, elle est graphique. Moi, c'est un jeu à l'allemande. On ne sait pas trop ce qu'ils ont voulu dire sur la boîte, mais quand vous le jouez, vous oubliez cette boîte avec 5 couleurs. On achète des cartes rouges, un peu à la Splendor. Le thème, il vous passe loin derrière et les codes couleurs sont là pour être clairs. Il n'y a pas de thème, mais au moins, c'est pas clivant. C'est-à-dire que... Rachel, avant de tourner, elle fait « Moi, j'aime pas les graphismes de Nisa Vetlir. » J'adore le jeu, mais le graphisme, c'est un parti pris. Alors moi, j'aime bien. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Mais justement, parce que ça change un peu. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu dans un jeu, alors que ça, c'est relativement plus classique. Ouais. C'est pas le mode noir et blanc, hein. C'est le mode « C'est des nains qui ressemblent pas à ma vision des nains. » Au mieux, là, il y a un nain, on dirait qu'il est réunionné. Bah alors, on peut être nain et réunionné, Rachel, enfin. Hein non, t'es pas très 2020, moi, je trouve. Ils sont blonds, roux, ils ont des grosses barbes. Regardez-le, ce nain. Et surtout, Nisa Vetlir, moi j'aime bien, mais j'ai bien conscience
que c'est sans doute un peu frustrant. C'est à part si vous appelez Emeline, bon, je balance mes potes, vous finissez jamais une partie super content de ce que vous avez fait. Il vous manquera toujours un truc pour arriver à faire. Vous avez envie de tester les choses, mais c'est un jeu qui résiste. Adara, sans doute moins. Vous faites des choix et en théorie, vous allez facilement au bout de votre piste. Votre stratégie s'avérera peut-être pas gagnante, mais vous n'aurez pas de remords. Vous avez choisi de vous spécialiser dans le militaire et l'argent. Vous n'avez jamais manqué d'argent et vous avez vaincu la dernière colonie. Vous y êtes allé au bout. Ça aura peut-être pas porté ses fruits, mais voilà. Ouais, t'arrives au bout de quelque chose. Nisa va te dire, c'est plus rarement le cas. Adara, c'est sorti en plein milieu de décembre. Et j'embrasse tous mes potes qui sont venus me l'acheter. Et pendant tout décembre, tous les jours, je recevais des textos pour dire « Simon, joue à Adara, c'est trop bien, viens à la maison, ceci, cela. » Fatigué, c'était Noël. Et tous mes potes voulaient que je joue à Adara. Et à tous mes potes qui voulaient que je joue à Adara, je vous dis ceci. Oui, c'est bien. Je préfère Nisabeth Lear. C'est sans doute parce que ça me résiste. J'arrive pas à tout tenter parce qu'il y a une explosion de possibilités. Voilà, Séverine, Chantal, Damien, Sylvie, tout ça. Il faut que je vous fasse jouer à Nisabeth Lear. C'est fabuleux. Voilà, en réalité, je préfère Nisabeth Lear. Ah voilà, mais je vois plus. Simon wins. Ta-da. Je préfère. En fait, là pour moi, c'est un jeu de civilisation. Là où ici, on a un petit jeu rapide. Vous savez, j'aime ces petits jeux à la Flouk, etc. C'est un jeu d'ambiance qui sort très bien en milieu associatif, etc. Mais en mode plus posé, je préfère Adara. Mais je reconnais plus de. Oui, il y a une différence entre ce qu'on aime bien et ce qu'on va conseiller à tout le monde. J'aime beaucoup Adara, mais de par son thème, de par le côté sans doute un peu frustrant, c'est pas nécessairement le jeu que je vais conseiller à tout le monde. Alors qu'Adara, vous pouvez faire jouer n'importe qui aime un temps soit peu les jeux de stratégie, entendons-nous. Ça sera moins clivant. Faites votre choix. Voilà. Ou jouez aux deux. Achetez les deux. 36€, 40€, c'est même pas très cher. Oui. Dire pour ça. Ça à 36€, respect quoi. Access granted. Chaque fois qu'on tourne ces vidéos, on expose le jeu pour vous le montrer, pour le déballer. Il se trouve que là, on a fait le tour du magasin avant de commencer à filmer. Et notre boîte de jeu dont on va vous parler maintenant, Concordia Vénus, ça brille et tout, il y a plein de reflets partout, c'est dégueulasse. Et ben, il se trouve que on l'avait vendu, la boîte de démo, ou je sais plus où, Matago l'avait repris, il y avait un truc comme ça. Bref, donc, on va réouvrir une boîte de Concordia Vénus, exprès pour la démonstration. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est que cette boîte, on va faire une petite dédicace dedans. Et si vous nous commandez après la vidéo une boîte de Concordia, on vous enverra celle-là, la boîte même qui est là, avec nos petites signatures dedans. Mais d'abord, commençons par le déballer. Voilà. Précisez dans la vidéo que vous voulez la boîte qui a été ouverte avec nos signatures à l'intérieur, parce que sinon, ça va pas avoir. Précisez dans les commentaires de la commande si vous voulez cette boîte-là. Oh putain, j'ai reçu une boîte, il y a trois cons qui ont écrit dedans. On est bon. C'est installé. Dans Concordia, vous avez jamais vu un jeu de stratégie avec des règles aussi simples. On l'a livré direct par là ? Non. On l'a balancé. On a balancé le livre de règles. Ça revient. Ouais, non, mais. Passe-moi la boîte, moi je vais mettre un truc dedans. C'est un peu foufou. La simplicité du truc. C'est-à-dire que voilà. Les règles de Concordia. Hein, je vous oublie qu'un stylo. Les règles de Concordia, c'est ça. C'est-à-dire que ça, c'est déroulement du jeu. Et point. Et après, on arrive, on ouvre et on a fin du jeu, quoi. C'est hyper plus simple que Tapestry ? Oui. Okay. Ah oui, oui, c'est évidemment méga simple. Et du coup, c'est hyper, hyper chouette à expliquer. Comme dans tous les bons jeux de deck building, ça n'en est pas un, mais le jeu se trouve sur les cartes. C'est-à-dire, la règle du jeu, c'est à votre tour, vous jouez une carte. Point. C'est tout ce qu'on va vous demander en termes de règles. Sur chaque carte, il est écrit ce qui se passe quand vous allez la jouer. On a tous, au départ, un petit deck de cartes qui est identique, avec 7 cartes différentes. On les joue, chacun son tour au fur et à mesure. Il faut voir que dans Concordia, on commence tous la partie en étant un Rome. Alors, pas nécessairement toujours Rome, parce que vous l'avez vu un peu quand on a déballé, il y a plein de plateaux dans... On dirait que tu as dessiné un pénis, Baptiste. Mais non, je dis ça, je dirais. Hein. Mais spoil pas. Un spoil. Donc, on commence tous à Rome. Notre but va être de se répandre partout en Europe, d'y établir des comptoirs dans les différentes régions de l'Europe antique, de produire des ressources, de continuer à s'installer et surtout de choper des cartes.
En fait, c'est des cartes qu'on va jouer qui vont dire ce que vous allez faire. Il y a des cartes qui vont permettre de déplacer votre colon ou votre bateau. Il y a des cartes qui vont permettre d'activer toute une région et tous les gens qui seront posés, là, on va récupérer des ressources. Il y a des cartes qui vont activer la carte que vous avez jouée avant. Parce qu'une fois que vous l'avez jouée, elle est devant vous. Vous l'avez plus. En fait, tout le truc de Concordia, c'est de regarder ce que font les autres. De courir choper les meilleures places avant eux. Et surtout, le cœur du jeu, il est là. Il y a un marché de cartes sur le bord du plateau dans lequel on va venir acheter des cartes au fur et à mesure du jeu. Plus elles sont loin, plus elles sont chères. Il va falloir regarder où est-ce que les autres en sont en ressources. Elles ont chacune des effets différents. Mais vous voyez, en bas de l'image, il y a deux petits symboles. C'est la façon dont les cartes vont nous rapporter des points à la fin de la partie. Et certes, vous allez choper la carte, parce que le simple pouvoir est sympa, mais surtout, vous voulez ça. Vous commencez à produire des amphores, vous allez choper toutes les cartes qui disent qu'à la fin du jeu, les amphores vous rapportent des points. Et ça, il va falloir se faire très gaffe à ce que chopent les autres. C'est pas un jeu méchant, Concordia. On se développe, c'est assez pacifique. Mais c'est un jeu dans lequel sans arrêt vous êtes en train de regarder ce que font les gens. Baptiste par là-bas, il faut que je m'y installe, parce que quand il va produire dans sa région, je vais en profiter. Il veut telle carte, faut que je la chope avant lui. Et c'est très disputé, le tout avec des règles très simples. Et puis construire les, je sais plus comment ça s'appelle, les petites maisons, c'est quand il y a quelqu'un qui est déjà installé, ah ouais, il y a des prix spéculation immobilière pour c'est eux, encore hein. Plus cher. C'est encore plus cher. Alors, c'est Concordia Vénus, cette édition-là. Parce que Concordia existait déjà, il a changé désormais, c'est Matago qui l'a récupéré, et ils font un truc bien, ils font plein de trucs bien, Matago, ils ont mis les extensions à l'intérieur, notamment... Ils ont mis un mode par équipe. Alors, je découvrais Concordia, oui, en tant que moi, j'avais déjà vu jouer plusieurs fois, et je n'avais jamais eu la chance d'y jouer, donc première partie d'initiation. Ils sortent très souvent à notre association de jeu. Oui, mais c'est là que je l'ai vu jouer. Et donc, première partie, ok, c'est fluide, c'est à la manière de Century. Vous avez des cartes, vous les jouez, vous allez jouer une carte, hop, pour reprendre vos mains, et bam, 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 je vais acheter des nouvelles cartes. Facile à prendre en main. Donc déjà, première originalité, il y a deux plateaux recto-verso, donc on va se battre sur quatre univers un peu différents, la mer Ionique, la mer Méditerranée, enfin, tout plein de choses. Et ce qui est excellent, c'est le mode par équipe. Mais j'ai trop envie d'y jouer à ça. Ah non, mais c'est juste trop bien. Ils ont juste corrigé deux cartes qui auraient été trop puissantes en mode par équipe. Le principe, c'est que donc, vous allez jouer à 4 ou 6, vous allez installer votre partenaire en face, là, enfin, en tout cas pas directement en face de vous. Mais je suis pas sûre que ça te plaise, parce que c'est un jeu de tempo. Quand je pose une carte, je fais mon action, et mon partenaire fait mon action. Mais attention, on ne peut pas communiquer sur la carte qu'on va jouer. Donc on est forcé de s'intéresser à ce qu'ils font les adversaires, comme d'habitude, pour profiter, faire un peu les opportunistes et tout ça. Mais attends, il n'a pas joué sa carte, et je vois bien qu'il aimerait vendre ses marchandises. Bim, je joue la carte pour qu'il puisse vendre, et lui, il va jouer la carte pour que je puisse déplacer mon colon, etc. C'est juste trop bien. Oh, t'as besoin d'acheter au marché, il y a une carte, je ne me rappelle plus, non, ça ne va pas me revenir. Ou j'aimerais faire une action, je ne peux pas la faire, je vais jouer une carte qui dit, moi, je ne fais pas d'action, c'est mon partenaire qui joue une action à ma place. C'est trop bien, ça. C'est trop trop bien. C'est le cœur de Battlestar, notamment, de faire jouer les gens à ta place. Voilà, c'est pour l'élégance de la chose, pour le côté je te pixe cette région avant l'autre, pour qui aime bien les jeux un peu de gestion, c'est un incontournable. Je pense qu'il est il est dans le top 100 de BGG, il me semble, Concordia. Je crois, ouais. Je crois que c'est McGertz, c'est un mec qui fait plein de jeux d'habitude avec des roues, qui était très connu avant 2010 pour avoir fait plein de jeux, notamment antiques, un truc assez fabuleux. Ça, c'est une lettre de jeu, ça n'a rien à faire là. Bref. Concordia, le loupez pas trop. De toute façon, dans les commentaires, vous allez bien voir, les gens vont dire « Ouais, Concordia, c'est fabuleux! Moi, on n'arrête pas d'y jouer !» À notre assos de jeu, Buena Partida, il sort tout le temps. Et ben, si vous le voulez, vous pouvez l'avoir, il est reparu, et vous aurez une boîte avec l'obélisque phallique de Baptiste. Mais pas du tout. Si, mais pas du tout. Il lui ressemble complètement, tu l'as reconnu. Ah! Non? De quoi? C'est la Concorde. C'est la Concorde! Mais vous spoilez tout! On se marre bien dans les boîtes, hein. En second jeu expert, on va parler de Barrage. Vous connaissez forcément l'auteur, enfin forcément, il faut que j'arrête avec ça. C'est Simone Luciani et ses comparses italiens qu'on a connus l'an dernier avec Newton. Je retrouve un peu la patte. Vous connaissez Zolkin, si vous ne connaissez pas, allez voir ce que c'est vraiment très très chouette aussi. Grand Austria Hotel, enfin, c'est toute une école d'auteurs italiens.
Italien, ça tombe bien, on va jouer quelque part entre la France et l'Italie, on va jouer dans les Alpes et on va créer des barrages. Alors, plutôt que de parler de mécanique, on y reviendra peut-être un petit peu, moi je vais vous raconter, parce que j'ai parfois entendu que c'était encore du pic et délivré de ressources, c'est mieux que ça. Je vous présente une petite goutte d'eau tout en haut de la source. Elle va arriver ici et elle va s'arrêter au barrage. Le barrage, il fait une hauteur de 2, donc elle arrête 2 gouttes d'eau. Que se passe-t-il s'il y a une troisième goutte? Eh bien, elle n'est pas retenue. Et elle continue à s'écouler jusqu'au barrage. Une quatrième, elle est arrêtée ici. Hop, elle dépasse celui-là, etc., etc. Elle va suivre... Elle va suivre son cours d'eau. Bon, elle s'arrêtera au barrage. Il y a 4 lacs, grosso modo, dans lesquels l'eau va descendre des montagnes et ça va descendre tout le long du plateau. Voilà, et ça va s'arrêter au barrage. Qu'est-ce qu'il faut faire dans le barrage? Il faut profiter de ces gouttes d'eau qui sont coincées derrière les barrages, les relier à des centrales électriques en profitant de conduites forcées. Je ne vais pas vous embêter, mais on transforme de l'énergie potentielle de pesanteur en énergie électrique. La technicité de Rachel m'étonnera toujours, quoi. Grosso modo, on fait des tuyaux et on dit « passe par mon tuyau ». Voilà. Mais plus, ça va être un jeu à forte interaction. Pourquoi ? Grave. Parce que moi, j'en ai marre que Baptiste, il a un barrage ici et qu'il retienne toutes les gouttes d'eau. Ben, je vais construire un barrage en amont. En amont, oui, en amont. Mais ça va me coûter plus cher. Plus vous le construisez haut dans les hauteurs, plus ça va vous coûter cher. Ou alors, je vais m'arranger pour qu'il y ait plus de gouttes d'eau qui déperlent et construire un barrage un petit peu en dessous. Il ne pourra pas toutes les retenir et j'en profiterai aussi. De l'interaction. S'il a des barrages. Oui, pauvre, c'est toujours toi, Baptiste, je suis désolé. S'il a des barrages et qu'il ne peut pas construire des centrales hydroélectriques pour fabriquer de l'électricité, hop, Simon, tu fais une centrale hydroélectrique à gauche, moi à droite pour le moment, hop, on est tranquille au niveau production d'électricité. De toute façon, c'est ce qui s'est passé dans la partie qu'on a fait ensemble. C'est-à-dire que Rachel met un barrage là, mais moi je mets des tuyaux bien au-dessus, histoire que l'eau se barre et qu'elle passe jamais par les constructions de Rachel. Mais oui, c'est vrai qu'avec la production d'électricité, c'est pas l'eau, elle descend pas comme ça. Ça dévie. Et c'est tout le truc d'acheminer, de faire en sorte de garder l'eau pour soi ou de se construire un réseau dans lequel ça nous profite et de tirer la couverture pour que les autres l'aient pas, quoi. C'est pas de la couverture, c'est des gouttes d'eau. Et c'est un jeu de placement d'ouvriers. Toutes les actions que vous allez faire, il y a tout un plateau d'actions ici. Alors c'est pas du placement d'ouvriers classique où quand je me place quelque part, tu peux plus faire l'action. Si, je peux la faire différemment avec un bonus, avec un malus, en payant un peu plus, un peu moins. C'est plus ou moins cher en fonction, ouais. Ouais, voilà. Et ensuite, vous avez un petit plateau personnel, comme ça, avec du matos trop chou, enfin que moi j'adore, ici, à vous représenter une nation, un directeur de corpo, directeur d'entreprise, et vous avez une petite roue comme ça. Alors, c'est pas la version Kickstarter qui tournait pas. Mais t'as pas les bras assez longs pour la faire tourner. Voilà, j'ai pas celle-là, parce que celle-là est hors champ, là-bas. Ah, mais voilà, celle-là, là-bas, était hors champ. Qu'est-ce que c'est que cette roue? Cette roue, à chaque fois que vous allez vouloir construire un élément, je vais venir me placer sur mon plateau, je veux construire un élément. Très bien, je vais construire une base de mon barrage, et dans la colline, ça va me coûter 4 petites excavatrices. Je vous embête pas, je les prends. Et le problème, c'est que vos ressources, elles sont coincées dans la roue, et vous n'allez pas les récupérer avant 6 tours. Et l'action construire une digue aussi. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas refaire de digue tant que ça n'aura pas fait tout le tour, quoi. Heureusement, il y a un endroit sur le plateau pour récupérer des ressources. Ah non, c'est trop cher. Ah, il y a un endroit sur le plateau pour faire tourner la roue un peu plus vite. Ah, ça va vous coûter un ouvrier, vous ne pourrez pas tout faire. Ouais, les autres joueurs vous embêtent, votre plateau vous embête. Il y a plein. Il faut produire suffisamment d'électricité. Si vous n'en produisez pas, vous allez commencer à perdre des points aussi. Oui, et puis... Oh, ça va. On avait dit que tu me chambrais pas. Bon, d'accord. Et puis voilà, vous marquerez des points de victoire et à chaque fois, à chaque manche, il va falloir aller de plus en plus loin dans votre production d'électricité et c'est pas si facile que ça. On retrouve tout ce qui fait le brio de ces auteurs-là, à savoir, ils vous en mettent plein la vue. Il se passe des choses là. C'est pas trop. Moi, j'aime pas trop les jeux de Vital Lacerda, ce truc-là, parce que c'est une tartine de règles et ça fait péter le cerveau. Mine de rien, les actions, elles sont concentrées là et sur le haut de notre plateau. Très vite, on arrive à appréhender ce qu'on va nous demander. Et après, tout le sel de barrage, c'est dans l'interaction entre les joueurs. C'est pas de l'eau salée. Hein. Mais du coup, à deux... c'est sans doute un peu moins bon, c'est encore plus explosif à 3 ou à 4. Ouais, c'est un peu opportuniste à 2, mais il n'y a pas... À 2, quand tu te fais avoir, quand l'autre joueur a décidé de te pourrir la vie, de se mettre au-dessus, de te contrecarrer, c'est un peu plus chaud, quoi.
Du coup, 3-4, c'est fabuleux et c'est toujours aussi bien que ce que font ces auteurs-là. On était étonnés qu'ils gagnent, on en discutait un petit peu avant de commencer à tourner, qu'ils ne soient pas plus haut dans le classement du Diamant d'Or. Oui, non. Un prix pour les gros jeux stratégie. Ah, et c'est Crystal Palace qui l'a emporté. Moi, ce qui m'a le plus marqué, voilà, c'est le thème et la mécanique. Je sais que c'est bête à dire, mais moi, je l'ai vécu, ma goutte d'eau. Je commence toujours le speech de mes règles en racontant comment la goutte d'eau elle va se comporter en fonction des différents éléments qu'elle rencontre. Tu sais, il y a souvent au dos des boîtes de jeux ou des films, tu sais, ça affiche « Un film exceptionnel, première ». Et tu sais, il pourrait y avoir un tirage du barrage avec « Je l'ai vécu, ma goutte d'eau, Rachel !» Ça serait un bon pitch. Bonus de fin de vidéo, c'est on va vous parler de Brave Rat. Si vous connaissez pas Brave Rat, c'est un jeu de... Ah, l'auteur, c'est MJ Kanai. L'auteur de... Love Letter. C'est Love Letter en plus fin, mais ça se joue uniquement à... Deux. Et c'est une réédition. Oui, c'est parce pour que... ça qu'on voulait vous en parler. Autant on adore Love Letter, mais Love Letter à deux, ça n'a aucun intérêt. On nous pose souvent la question, jouez à Love Letter, n'y jouez pas à deux. Jouer à Brave Rat. Ouais, et Brave Rat, je pense que c'est un coup de cœur pour nous tous. C'est un jeu que j'ai emporté partout, que je prends en rando, que je prends n'importe où, ça prend pas de place, ça se joue en 5 minutes. Il traîne déjà sur la chaîne sur une vidéo des meilleurs jeux à deux, moi j'en parle à ce moment-là. Ouais. Et toi, tu n'y avais pas joué? C'est quand t'arrives au magasin, c'est dans la liste des trucs qu'on t'a dit Rachel commence par jouer à Orléans et machin. Et dans la liste, il y avait Brave Rat. Depuis, il est dans ma ludothèque et on l'aime tellement à la maison qu'on joue à deux, mais on est quatre à la maison. On joue à deux et on regarde les. Et on prend le gagnant, et on prend le gagnant, et on prend le gagnant. Ah, il y a des championnats chez toi ? Oui, il y a des championnats en boucle, avec les autres qui regardent. Ça s'y prête tellement. C'est, vu que ça dure 2 minutes une partie, t'en fais jamais une. T'en fais 3, 4, 5 d'affilée. Ouais. Alors, Brave Rat, qu'est-ce que c'est ? En fait, le principe, c'est très simple. Hein. Vous avez des cartes en main. Des rats. Des rats avec des... Voilà. C'est Roméo et Juliette des rats. C'est Rachel qui le dit. Et vous allez jouer une carte face cachée. Et l'adversaire va aussi jouer une carte face cachée. On joue chacun une carte face cachée. On la révèle. Et celui qui a la plus forte des cartes gagne la manche. Jusque-là. C'est une bataille. C'est une bataille. Ouais, c'est une bataille waf, quoi. C'est niveau 3 ans jusque-là. Sauf que toutes les cartes ont des effets. Si vous jouez le 3, c'est l'assassin. C'est la plus petite des cartes qui gagne la manche. Si vous jouez le 4 et que vous gagnez la manche, c'est comme si vous gagnez 2 manches. Et surtout, si vous jouez le 1, qui est l'une des plus faibles, hein, c'est la princesse, et que l'autre joue son prince, qui est la plus forte, qui est le 7. C'est le prince tue la princesse, et donc la princesse a gagné immédiatement la partie, c'est Roméo et Juliette des rats. Le prince tue la princesse? Oui. Dans la tête de Rachel, il se passe des trucs, quand même, on n'y est pas tout le temps. Hein. Voilà, et ça c'est la réédition, donc la boîte est un peu plus grande, il y a des petites couronnes qui permettent de compter les manches, et il y a un nouveau personnage... Mime. C'est le mime. Le mime, en fait, il a pas de valeur, il permet juste de copier la carte précédente de l'adversaire. Exactement. Si l'adversaire à la manche précédente avait joué un 7, bah, ça reste un 7. Si ça avait été un mime, eh bien, ça refait par rapport à ce que moi j'avais fait avant. Ça serait compliqué. En fait, il faut voir que dans la bataille, quand vous jouez une carte, bon, vous la jouez, vous l'avez plus. Ça a l'air de rien dit comme ça, je suis d'accord. Mais très vite, en fait, au bout de quelques coups, vous savez que votre adversaire, il a plus ça, il a plus ça. Il lui reste 100 mains, elle peut jouer ça. Si je mets ça, elle va pas s'en douter. Je pense que tu penses que je pense que Ouais, c'est un nom affreux dans le monde du jeu, on appelle ça des jeux de guessing. Alors le terme est absolument naze, pour l'instant personne n'a trouvé mieux. C'est la traduction littérale, c'est les jeux de devinettes, c'est qu'est-ce que l'autre a dans la main. Et c'est ça en fait Brave Rat, vous jouez, certes vous jouez avec vos cartes, mais vous jouez dans le cerveau de l'autre. Un peu comme un stratego, comme tous les excellents jeux de bluff. Fabuleux, il faut jouer à Brave Rat. Sans aucune prétention, ne vous attendez pas à un truc... Comment dire, c'est très épuré, c'est une bataille, maligne, mais c'est très minimaliste. Il faut y jouer. Ouais, clairement. Moi, en magasin, on me demande un jeu drôle à deux, et c'est toujours la difficulté. Un jeu drôle à deux, et je ne sais parler que de Brave Rat. C'est drôle. Je sais pas s'ils ont gardé les variantes. Moi, je joue quasiment tout le temps, parce qu'on fait plein de parties. Ouais, à la variante, au début du jeu, on s'échange chacun une carte. Ouais. Ce qui fait que t'as une carte en double dans la main, mais il te manque un numéro. Qu'est-ce que tu donnes à l'autre ? Alors, des fois, moi je fais le malin, je fais exprès de laisser à l'autre le 7. C'est dangereux parce qu'il a deux fois la carte la plus forte du jeu. Mais c'est deux fois plus de raisons que moi je mette ma princesse au bon moment et que je gagne la partie aussitôt. J'adore ! Trop cool !
On fera un duel, ouais. Ouais, on a dit qu'on ferait un jour une vidéo dans lequel on joue à des jeux à deux. Une soirée à deux. Ou une soirée canapé. Avec qui? Mais on la fera peut-être tous les deux avec Baptiste, tu sais, Rachel. Oh, mais ça se fait pas. Oh si, ça se fait. Bon, je crois. Dans une précédente vidéo, j'allais à Caylus avec mes potes Jérémy de l'Udema et Mathieu, aller voir le maire de Caylus pour lui demander de dédicacer cette boîte de Caylus. On vient de faire le tirage au sort hors champ parce que c'était un peu pénible à faire. C'est Barbara qui a remporté la boîte de Caylus. Et je suis très content pour elle. Voilà, donc je vais faire un petit MP à Barbara. Il y avait 812 commentaires, c'est beaucoup. Et c'était cool. C'était très, très, très plaisant de vous lire. J'espère que la vidéo vous a plu. Voilà. La boîte de Caylus a été gagnée. Désolé, aux 811 autres personnes. Bravo et bisous, Barbara. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Pas grand-chose. On va se retrouver ensuite pour des prochaines soirées jeux du passe-temps. Plein d'autres vidéos sont en cours de montage. On a vécu une semaine de montage un peu de tournage très intense. On se voit à Cannes. On se voit au magasin. On se voit via un site internet si vous voulez nous commander des jeux parce que certains font des Tipeee. Enfin, on cherche tous des sources de financement pour arriver à tenir. Parce que c'est beaucoup de temps et beaucoup de boulot, mine de rien, tout ça. Vous pouvez nous suivre sur Instagram. Comme ça, vous verrez des fois notre tête avec Rachel en étant un peu fatiguée. On se fait des selfies en jouant à des jeux. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, si vous avez trouvé les mots mystères qu'on a tous placés. Ah oui, c'est vrai. Avec plus ou moins de brio. Hein, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Et il n'y a rien à gagner. c'est comme le plaisir d'un jeu. Peut-être. On trouvera quelque chose. Ah si, je sais. Celui qui trouve en premier les mots mystères, il a le droit de nous donner un défi pour la prochaine vidéo. Mais c'est l'enfer. On n'en finira jamais. Ça me plaît. Je suis contre. Il ne reste plus qu'à vous dire à bientôt. Et vous souhaitez une agréable fin de soirée, en supposant que vous regardez cette vidéo en soirée. Sinon, ça n'a aucun sens. Bon jeudi, bon dimanche. À bientôt les gens. Salut les gens. Bon jeudi. Et on enchaîne avec Adara. Pas du tout.